go. Et yep tout le monde, c'est Coco, j'espère que vous allez bien, et si ça n'est pas le cas, j'espère pouvoir changer cela durant cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Super Mario Star Road. Donc, on s'était laissé où ? On s'était laissé à 11 étoiles la dernière fois. Ouais, je sais, je suis toujours pas allé chez le coiffeur, je suis toujours pas allé chez le barbier, je suis fatigué et je vous emmerde. Bon, allez, c'est parti, on va arrêter. Ouais, c'est un peu fort, je vais enlever une oreillette. On se met en mi-cuite, mi-soumise. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? On va essayer de voir, hop, un peu là-dedans, si on peut pas trouver quelque chose d'assez intéressant. Ah ouais, non, celui-là, on l'avait déjà fait, ouais. Ah, décidément, je me souviens plus du tout où c'est qu'on s'était laissé. Je me souviens, hop là. On s'était donc laissé ici. Voilà, ok, je me souviens. Allez, c'est parti ! En fait, c'était une petite fin, c'était pour voir si vous suiviez. Donc, Big Boo's Tower. C'est un peu fort, en fait. 4, c'est bien 4. Je suis mis en 4. Donc. Putain, c'est tellement glauque. Donc, la tour du gros bout. Ok, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui ressemble à une tour là ? Ah, ça doit être là-bas, je le vois. Je le vois, ça doit être là-bas, donc on va faire tac tac tac. Aïe 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 aïe. Mamma mia. Moi dans tout mon art, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, alors on va essayer de pas tomber. Oh, je le sens tellement pas. Vous me faites confiance sur ça là, sérieux ? Oh ! Ça commence très très bien. Mais ça commence très 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 bien. Ok, j'ai plus qu'une vie. Donc, putain, mais même le tableau il me veut plus quoi. Genre le tableau il savait déjà que j'allais me planter. Il a dit non franchement rentre pas c'est pas pour toi. Bon alors on va passer par là, on va voir. Peut-être que c'est un chemin plus pertinent. Hop. Ok. Mais putain. Ah d'accord, un c'est, d'accord ok. Bon j'ai encore une chance. Une seule. Oh 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 oh. Non, mais allez, mais s'il te plaît, mais il a les pieds en savon, c'est pas ma faute aussi. Oh. Oh, c'est énorme. Oh, c'est trop cool. Ah, mais je suis super content, en fait. Je suis super content de pouvoir vous présenter ça. Du coup, il y a des bouts. C'est un monde de des morts. Ah, je peux pas passer par là. Je peux passer en dessous. Ah, je suis bloqué là aussi. Donc là, je suppose qu'il faut que je tombe dans le trou, hein. Ok. Et ça relance le jeu. Ok, non, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Franchement, y a rien à dire. Et je reviens à combien de vie, du coup ? Ah, je viens de trouver un poustillon que j'ai lâché tout à l'heure. Bon, c'est dégueulasse. Donc ouais, je suis à 3 vies. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment stylé. C'est des petits détails comme ça qui font que le jeu, est amélioré, en fait. Que le jeu est beaucoup plus beau, en fait. C'est un tout, je trouve. Donc, allez, c'est parti. Ok, donc je pense pas que c'était par là. Du coup, je pense que vraiment j'avais raison au début et que c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Est-ce qu'il y aurait pas une étoile là par hasard ? Non, parce que des fois le jeu il aime bien troller. Moi je pense qu'il y a des pièces, mais bon. Voilà, il y a une pièce. Alors j'ai rien à dire. Une pièce, c'est génial, c'est pile poil ce qu'il me fallait. C'est un peu comme si à Noël, tu vois, on t'offrait genre un coton-tige. Ou un bouton de manchette. Mais genre pas, attention, pas un bouton de manchette. Genre bouton de manchette, t'as vu, bien stylé, tu vois. Non, un bouton de manchette, genre tout pourri, tu vois. Un bouton de manchette, Jules. Là, tu regardes le truc, tu fais bon, d'accord. Un bouton de manchette, non mais ouais, pourquoi pas. Bon, alors, est-ce que je peux y arriver en sautant normalement? Ouais, ça me va.
Ok. Allez, ça c'est bon ça. Parfait. Alors lui il va pas me voir venir. Voilà. Oh mais attends. Est-ce que ça serait pas une étoile ça? C'est pas du tout celle-là que je devais choper, mais en fait je viens d'en trouver une. Oh, j'espère que c'est pas un fake hein. Plongeons. Oh yeah! Toi je trouve une étoile, c'est pas du tout celle-là. On va regarder là combien c'est. Bon allez, 12 étoiles. 12 étoiles c'est pas mal. On commence à y arriver je crois à 20 étoiles. 20 étoiles du coup on pourra aller dans l'autre porte. Alors là il me faut au moins un double saut je pense. Oh c'était chaud. Non je te regarde. Non je te regarde. Oh, c'était chaud. Oh c'était beau. Et c'était ça qu'il fallait faire en plus. C'était beau. Ok. Bon j'ai trouvé comment grimper. Ah. Ok. Alors le grand bout là, on y est presque. Par contre je sais pas du tout comment je peux le vaincre. Ok. Alors. Non. Bon c'était ça mais il fallait pas plonger. Voilà. C'était le bon move mais il fallait pas plonger. Ok donc moins de vie. Parfait. Par contre il fait le même bruit que les bombes bombes. Ce qui est pas normal. 2. Ah c'est bon. Non en fait ça l'a pas remis. Non, ou alors il fallait que 2 coups, je sais pas. Mais s'il en fallait 3 du coup ça l'a pas remis. Et boum. Ok, c'est cool. En fait c'est un château sur un château à l'envers, c'est assez drôle. Oh la vache, Mario il était de dos, il a fait voilà. Il a chopé le bloc en mode ninja quoi. Ok alors, donc je suppose que là il faut que je fasse. Oh, punaise de. Oh merci Mario. Merci Mario. Bon Ah peut-être que je peux faire. Ah attendez, je vais tester un truc. Non. Ah c'est pas ça que je veux faire. Ouais c'est beau ça. C'est un beau move. Ça c'était un peu moins stylé. On va pas se cacher. Je vais essayer de faire exactement la même. Ok la petite vie. On l'oublie pas. J'avoue que j'ai envie de pleurer, ça me fait trop penser au à ce vieux monsieur là, un Renoir là qui. Ah oh, putain non. C'est un vieux monsieur Renoir là qui pleure, il genre. Je vous mettrai, j'essaierai de vous retrouver, mais quand j'ai envie de pleurer, ça me fait penser à lui direct. J'ai réussi. Alors là, il faut pas que je me fasse buter là. Je sais pas ce qu'il y a, mais il faut pas que je meure. Putain, je suis monté pour que dalle. Y a rien à faire ici. Non, y a rien en haut. Y a que dalle. Oh là là. Ah. Alors, ouais, je sais, c'est un peu triché, mais on fait glitcher un peu le jeu. Donc là, il y a clairement un tunnel. Il reste plus qu'à savoir où se situe l'en. Il y a une étoile. Il y a une étoile sous mes pieds. Oh, il y a une étoile sous mes pieds. Bon, comment on y accède? Ah, ça doit être une étoile à laquelle on accède avec. En ayant la casquette là. Et le problème c'est que. Vous voyez? Le problème c'est que la casquette, je sais pas comment l'obtenir moi. Bon.
Parce qu'il faudrait que je puisse rentrer dans le tunnel vert là, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Non, il y a vraiment que dalle. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le monde d'à côté. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est un peu short pour pouvoir faire un triple saut. Du coup, on va tenter le double. Ah, ça passe, le double. Ok, bon, j'ai découvert un petit monde secret. The Underwater Maze. Ah, non! D'accord! Ah, c'est cool! C'est cool, c'est cool. Donc, en fait, non, c'est le même monde, mais en passant par là, on a une étoile gratuite, en fait. Hein, c'est une étoile secrète. Donc, étoile! Putain, c'est bien pensé. Oh, franchement, c'est des enfoirés. C'est des petits enfoirés. C'est-à-dire que cette étoile, on peut pas y accéder par le niveau. On est obligé de passer par l'extérieur du niveau. C'est vraiment, vraiment super. C'est super bien pensé. Donc, j'ai eu la sixième étoile, Underwater Maze. Donc, il me faut la casquette de métal pour aller sous l'eau. Je l'ai pas encore, hein, je crois pas l'avoir débloqué. Hop, on active le truc. Hop là. Ensuite, on va ici. On va ici. Il faut... Putain. Voilà. Oh yes, on l'a pété. C'est bon, c'est cool. C'était chaud, hein. C'était chaud. Bon, alors... Bah normalement je suis invulnérable donc... Oh, une vie. Ah, raté. Ah, je me suis enfoncé. Ok. Ah, je me suis réenfoncé. Ok, 2-1. 2-2. Ah, je l'ai eu. Parfait. Donc, 4. 5. Alors, de mémoire, il y en a une derrière. Ouais. Donc, c'est la sixième. Hop. Hop, retour à l'envoyeur. Ok, c'est parfait. Donc, voilà la sixième. La septième est là-haut. Donc, je peux l'avoir sans casquette, normalement, hein. Donc on va tenter... Ok, ça. 7, parfait. 8, ok, c'est bon. Je suis pas tombé, c'est parfait. Voilà, sors vite de là. T'essaies de faire quoi, mon gars? Eh oui, qu'est-ce que t'essaies de faire, là? Yes, ok. Voilà, 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 voilà. Donc une étoile de plus. On est rendu à 15, du coup. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On est à... Ouais, on commence à avancer là. Donc. Ah, c'était une étoile secrète, d'accord. Donc, c'est pas une étoile qui comptait. D'accord. Bon, bah, Underwater Maze. Ah, mais il n'y a plus le bloc. Ou alors, il y a un bug d'affichage et il va apparaître. Non, il n'y a plus le bloc. D'accord, ok. En fait, non, j'ai pas besoin de la casquette. Donc, on va se remettre bien niveau vie. Puisque là, voilà, on commence à pas mal perdre de vie. D'accord, ok. Donc maintenant on passe à droite. Je suis totalement à l'aveuglette, hein. Je sais pas du tout où je suis. Est-ce que je peux remonter? Non, y a rien, y a rien, y a rien. Donc on va continuer. Qu'est-ce que j'ai à droite? Ah, c'est une impasse. C'est une impasse. D'accord, ok, bon. Alors, on revient en arrière du coup. Putain, j'ai le nez qui gratte. Ah, c'est infâme. Ça chatouille. Bon, on va descendre alors du coup. Ah, c'est ça, il faut descendre. Waouh, on va vraiment loin là. Oh, pinaise. J'ai pas envie de passer par là. D'accord, j'étais obligé. Oh, pinaise, j'ai plus beaucoup de temps. Donc j'ai pas le choix, il va falloir que... J'ai pas le choix. Allez, je vais passer dans le rouge là. C'est pas bon. Vite, 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 vite. Yes! Ok. Une étoile de plus, on est à 16, les amis. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On est une grosse game, là. On a eu un début un petit peu moyen, on va pas se le cacher. Un début un petit peu moyen, voire même carrément pourri. Mais là, on s'en sort vachement bien.
Ok, break into the building. Donc je sais exactement où c'est. Donc j'ai essayé de le faire tout à l'heure, vous avez remarqué. Oh, c'était chaud là. Parfait. Donc voilà, la porte est juste ici. Donc on va venir s'y déposer tout doucement. Parfait. Ah bah tout simplement. Voilà, je pensais qu'on allait devoir faire un truc et quelque chose dedans qu'on allait tomber, mais non, voilà, donc petite étoile. Et donc c'est la première, c'est le premier tableau où je remplis toutes les étoiles, donc voilà, bravo à moi. On va y re-rentrer pour voir s'il est possible de faire, alors on va prendre, je sais pas, la dernière, Another Entrance. Voilà, on va voir s'il est possible d'avoir l'étoile des 100 pièces, donc hop, hop. Ah non, c'est pas le moment de couler. Donc, je vais essayer de choper des pièces vraiment à droite, à gauche. On va se revoir à des paliers. On va se revoir à 20 pièces, d'accord? Allez, on se retrouve à dans 20 pièces. Ok, donc nous voilà à 20 pièces. Il ouste. Oh là là, il m'a chopé. Non? Ouais, voilà. Je préfère ça. Donc, on a 20 pièces, c'est parti. On se retrouve à 40 du coup. Non, mais arrête là. Ok, nous voilà à 40 pièces du coup. Là pour le moment ça va assez vite. Je pense que ça va se compliquer vers la fin surtout en fait. Là pour le moment je vois pas trop où c'est que je pourrais avoir des difficultés. Hop. Ok, on est à 60. Et en plus en cadeau on a le droit de surfer sur une carapace. Hop là, c'est vachement stylé. J'adore faire ça. Allez, une dernière, hop là, voilà. Donc ça c'est vachement cool, j'adore faire ça. On peut surfer sur tout et n'importe quoi, c'est tellement cool. Allez, en plus il y a plein de pièces là. Je suis en train de remarquer qu'il y a plein de pièces qui sont sur l'eau en fait. Je crois pas qu'il y ait un délai. Je crois que c'est juste à partir du moment où on se cogne que la... Ah d'accord, je me suis auto-cogné sur rien. Officiellement, sur rien du tout. Ok, donc nous voilà au 80 et même au 88. On s'en sort très très bien. Écoutez, je pense pas qu'on va avoir vraiment de difficulté hein. Je vois plus ou moins où c'est que je pourrais choper plein d'autres pièces. Là on va arriver à 90 en chopant une pièce rouge. Tout en haut il y a un ennemi qui va nous donner 5 pièces. Donc voilà. Wouhou. Hop là. Ok. Prêt, attention et pou. Et ouais, donc c'est bon, elle existe toujours. Donc voilà notre petite étoile des 100 pièces. Bon, rien de compliqué hein, sur ce tableau en tout cas. Save, yes. Ok, et puis on va sortir tout simplement puisqu'on n'a plus rien à faire dans ce niveau. Donc on est rendu à 18 étoiles. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 100 pièces dans deux autres niveaux. Du coup, on sera rendu à 20 étoiles. Et on pourra enfin pouvoir rentrer sur cette porte. Donc, hop. Voilà, là, hop. La porte des 20 étoiles. Voilà, pour le moment, on veut pas. Donc, à tout de suite. Ah oh, cool, voilà, alors désolé, je viens de trouver, lui voilà, donc c'est la petite bombe qui est censée m'ouvrir le canon. Donc elle était située, hop, attendez, je récupère juste ces pièces là et je vous montre où c'est qu'elle était située. Elle était située voilà sur la tour opposée à celle où on trouve une des pièces rouges, qui est juste ici d'ailleurs et que je vais visiter. Hop, parce qu'une pièce rouge c'est toujours deux pièces, donc voilà. Et je suis à 42, donc on va essayer de choper les deux en fait. Voilà, on va faire à la fois l'étoile. Ouh, j'ai eu chaud là. À la fois l'étoile et l'étoile des pièces, ce qui devrait nous mettre à 20 étoiles tout rond. A tout de suite. Ok, donc nous voilà à 99 pièces. Hop là, et on va choper la centième. Ici, et voilà, donc la centième, donc égale une petite étoile. Donc on la chope tout de suite. Voilà, ça c'est cool, c'est cadeau. Donc yes, et on continue. Et ensuite, on va plonger, on va prendre le canon et on va essayer. Oh, j'en avais encore plein des pièces, donc c'est bon.
Alors, vous allez rigoler, mais le fait est que j'ai mis trop de temps à monter cette vidéo et je m'étais absolument pas rendu compte que ça n'avait pas enregistré la fin, la toute fin donc de ma voix. Enfin, la toute fin de la vidéo, ma voix n'était pas enregistrée. Du coup, vous allez me voir gesticuler à l'écran et moi qui dis des trucs complètement différents, je suis désolé. Mais je trouve ça drôle. Donc bref, le fait est que j'ai réussi à trouver 100 pièces plus l'étoile sur le masque qui me fait pile poil 20. Et donc, je vais pouvoir pénétrer dans la pièce qui nécessite 20 étoiles. Attention, suspense. Et tadam! Alors vous découvrez en même temps que moi à l'écran. Le moi qui commente par contre a déjà vu ce qu'il y a dedans, dans le tuyau. Je vous assure que c'est intéressant, le niveau est super compliqué mais vachement cool. Donc je vous laisserai voir ça dans une prochaine vidéo. Si je mets pas autant de temps à la monter que celle-ci, enfin j'espère pas. Bon, allez, pour la fin, on va essayer de jouer un petit jeu, essayer de synchroniser ma voix avec ce qui se passe à l'écran. Ah, ça peut être facile, mais je vais le tenter. Allez, suspense, c'est parti. Allez, tais-toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ouais. Si vous voulez me le faire savoir autrement, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter pour avoir les news de la chaîne. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.